Bonjour à tous, moi je suis Alexis Franzin, membre de la SAB. Et donc moi c'est Nolan Denis, je suis membre de la SAB. Donc aujourd'hui on va vous présenter l'histoire de la conquête de la Lune, et pas que du côté américain, aussi on va voir le côté soviétique. Donc d'abord un petit sommaire. Alors tout d'abord on va parler des Américains avec au tout début les débuts américains, donc premiers satellites, les animaux qui ont été envoyés. Ensuite on va parler du programme Mercury, celui qui suit c'est Gemini, ensuite Apollo et du concepteur Wernher von Braun. Ensuite, on ira en Union soviétique pour parler aussi des débuts soviétiques, pareil, satellites, animaux envoyés dans l'espace, du programme Vostok, du programme Voskhod, du programme lunaire soviétique et de son concepteur Sergei Korolev, mais on parlera des deux en même temps car les deux sont intimement liés. Donc, première partie des États-Unis. Donc au tout début du programme spatial américain, on a tout d'abord commencé par envoyer des animaux, et ces premiers animaux, c'était des mouches. Donc elles ont été envoyées à bord d'un missile allemand V2 qui a été récupéré à la fin de la guerre. Elles ont fait un vol suborbital, du coup ça veut dire que la fusée a décollé, mais elle ne s'est pas mise en orbite, c'est-à-dire qu'elle n'effectue pas des orbites comme la Station Spatiale Internationale. Elle a juste passé quelques minutes dans l'espace, et puis elle est retombée sur Terre. Ensuite, en 1958, suite à l'exploit soviétique de Sputnik 1, les Américains ont envoyé à leur tour leur premier satellite dans l'espace, Explorer 1, qui était juste un satellite test, et aussi un satellite d'exploration scientifique, car il avait pour but de mesurer les radiations dans le milieu cosmique. Et puis ensuite, les Américains, avant d'envoyer des hommes, ont envoyé nos chers cousins, les chimpanzés, alors c'était des chimpanzés, des macaques Crésus, à bord de missiles Redstone, donc des missiles intercontinentaux reconvertis. Et puis, donc, il y en a eu 5, il y a eu Ham, qu'on voit ici, et puis il y en a eu 4 autres, des macaques Crésus, qui ont, eux, qui ont aussi fait des vols suborbitaux, mais qui sont à chaque fois morts à l'atterrissage suite à un problème de parachute. Donc le programme spatial Mercury chez les Américains, c'était un programme qui visait à envoyer des hommes dans l'espace contre le programme de Vostok des Soviétiques. Donc il a duré de mai 61 à mai 63. Donc il était composé de 7 astronautes, Alan Shepard, pilote de l'US Navy, Gus Grissom de l'Air Force, Gordon Cooper, aussi pilote de l'Air Force, Walton Shira, Dick Slayton, John Glenn et Scott Carpenter. Donc le premier vol américain réalisé par un homme a été effectué par Alan Shepard le 5 mai 1961 à bord d'un missile Redstone, à bord de la capsule Freedom 7. Alors là aussi c'était qu'un vol suborbital, il dura seulement 15 minutes, mais je trouve que le fait le plus intéressant de cette mission est le fait que Alan Shepard, donc, vu que son vol n'était prévu que pour 15 minutes, on lui a dit de faire ses besoins avant et puis ça passerait. Le problème, c'est que ce dernier, ayant pris 4 tasses de café le matin et avoir attendu 3 heures dans sa capsule, a été obligé de s'uriner sur lui-même. Ensuite, quelques mois plus tard, en juillet 1961, a été le deuxième vol américain, là aussi un vol suborbital réalisé par Gus Grissom à partir de sa capsule Liberty Bell 7. Le problème, c'est que lorsque la capsule a atterri, enfin a amerri dans l'océan Atlantique, la trappe à boulons explosifs dont était équipé le vaisseau a explosé suite à un dysfonctionnement des boulons explosifs qui servent à la faire exploser. Et du coup, Gus Grissom a cru qu'on l'avait récupéré, s'est jeté alors dans l'océan. Le problème, c'est que la capsule n'était pas arrimée à l'hélicoptère qui était censé la récupérer, du coup elle a commencé à couler, et la combinaison de Gus Grissom, qui doit normalement lui permettre de flotter à la surface de l'eau, eh ben, il avait oublié de fermer
deux valves de cette combinaison. Du coup, il a commencé à couler et ils ont réussi à le sauver de justesse. Alors, la capsule a coulé à plus de 4000 mètres de profondeur et a été récupérée en 2012. Donc là, vous avez une petite photo de quoi elle ressemblait. Donc, pour juste le nom Liberty Bell 7, ça renvoie à la cloche de Philadelphia, la cloche qui a sonné donc l'indépendance des États-Unis, cloche fêlée. C'est donc un... Après, on se rendait compte que c'était un malheur, parce que c'est une cloche fêlée, et comme la capsule est ouverte. Voilà. Donc, la mission suivante a été réalisée par l'Américain John Glenn, et ça a été la première, une des premières américaines. C'était la première fois qu'on envoyait un Américain en orbite. Ça sera quand même 10 mois après Yuri Gagarin. Donc, il effectuera seulement 3 orbites sur les 7 qui ont été prévues. Car au cours de la mission, le capteur qui est censé confirmer l'attache entre le bouclier thermique et le vaisseau Mercury montrait que le bouclier thermique était détaché de la capsule et du coup que si Glenn rentrait sur Terre, et ben, la capsule allait prendre feu et il allait mourir brûlé. Du coup, on lui a recommandé de rentrer sur Terre avec le système de rétrofusée toujours attaché, qui normalement est censé pour désorbiter la capsule. Bon, ça lui imprimera une descente quand même de 9G, mais il s'en sortira extrêmement bien. Ensuite, en mai 62, quelques mois plus tard, a eu lieu la mission Aura 7, menée par Scott Carpenter. Alors pareil, c'est un second vol orbital. Tout se passe bien, sauf que Scott utilise énormément de carburant pour faire des photos, en effet, pour bouger la capsule. Et le problème, c'est qu'il tellement qu'il en utilise que ça passe sur les réserves des rétrofusées. Du coup, au moment de rentrer, il n'y avait plus assez de carburant. Et il est quand même rentré, mais il arrivait quand même à 400 km du point d'arrivée. Et les deux dernières missions du programme Mercury ont été Sigma 7, qui a été réalisé par Wally Schirra, qui a été juste une mission d'endurance pour la capsule. Et ensuite, la toute dernière, File 7, a été la dernière fois qu'un Américain a volé en solitaire dans l'espace. Ça a été effectué par Gordon Cooper. Il est revenu un jour plus tard après son décollage et a effectué 23h30. Voilà, donc maintenant je vais vous parler du programme Gemini, qui suit le programme Mercury. Donc ce programme a pour but de préparer le programme Apollo en testant diverses techniques, comme les rendez-vous orbitaux et les sorties dans l'espace. Donc pour cela, on va utiliser une plus grande capsule qui va emporter deux personnes et aussi une nouvelle fusée, encore un missile. C'est plus simple d'adapter un missile que de faire une bonne fusée. Donc, je vais juste vous parler des missions importantes du Mini 3 parce qu'il y en a beaucoup plus, il y en a eu beaucoup plus que dans le programme Mercury. Et voilà, c'est vraiment franchement. Donc, la première mission habitée, Gemini 3, parce que les autres Gemini, c'était pas habité. C'est bizarre, hein. Composée donc de Grosilicium et John Young. Il décolle le 23 mars 1965, il passe 4 heures en orbite à faire le tour de la Terre et après il s'amérisse dans l'Atlantique. Gemini 4, qui est donc la première sortie spatiale extravéhiculaire des Américains, puisque les Russes l'ont fait avant. Qui décolle le 3 juin 1965 avec Ed White. C'est lui qui va faire la sortie, et Jim McDivitt. Donc, Ed White fait sa sortie. On se rend compte donc que c'est difficile de mettre dans l'espace. Il faudrait bien mettre des échelles, des poignées sur la capsule. Voilà. Donc, après 4 jours, il revient sur Terre. Donc, les missions. Gemini 6 et Gemini 7. Gemini 7 a été lancé avant Gemini 6, puisque quand les astronautes étaient sur le pas de tir pour être lancés, ils ont appris que donc leur étage, un étage test,
l'agenda qui devait être stocké, et ben ça, il est retombé en fait, et il s'est pas bien énormément vite. Donc, on a lancé Gemini 7, et après, on a dit à Gemini 6, et ben approchez-vous de Gemini 7. Et donc, essayez de faire un rendez-vous orbital. Donc, ils se sont approchés à peu près une dizaine de mètres, ils ont même pu s'envoyer des messages par texte, ils ne pouvaient pas s'accrocher, mais. Ah, et donc après, Gemini 7 rentre sur Terre un jour, Gemini 6 un jour plus tard, et Gemini 7 reste un peu plus longtemps, 10 jours. Sachant que Gemini 6 a eu des difficultés lors de ce lancement, en effet, lors de la première date et de l'allumage du moteur principal, le moteur ne s'est pas allumé, mais au contraire a laissé échapper une vague de gaz toxique, et du coup, les astronautes ont été extirpés d'urgence. Et 48 heures plus tard, pour reconstruire un autre lanceur, ils ont pu enfin décoller. Donc, Gemini 8, mission avec Neil Armstrong, on verra plus tard avec Apollo 11, et Dave Scott, le 16 novembre 1965. Et donc, Gemini 8, ils vont alors s'amarrer avec l'étage Agena, l'étage voilà qu'on voit là. Enfin, sauf que lorsque quand ils s'amarrent, ils se rendent compte que l'ensemble capsule plus étage commence à tourner. Il tourne, il tourne de plus en plus vite. Et quand ça se passe, et ben on ne peut pas trop arrêter. Donc ils détachent de l'étage. Et après, ils se rendent compte qu'en fait, c'est un propulseur qui ne s'est pas arrêté. Donc il y a peut-être dans la capsule. Et suite à ça, ils atterrissent beaucoup plus tôt. Surtout très loin de leur loin d'atterrissage prévu. En effet, ces derniers devaient atterrir dans l'océan Atlantique. Ils ont finalement atterri dans le Pacifique, près de l'île japonaise d'Okinawa. Gemini 12, la dernière mission de Gemini, le 11 novembre 1966, Buzz Aldrin, qu'on verra plus tard, et Jim Lovell décolle. Et donc c'est la dernière mission. Pour cette dernière mission, la NASA, ils se sont dit qu'on va faire plein de choses. Ils ont fait plein d'expériences, des sorties extravéculaires beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes. C'est aussi là qu'on s'est rendu compte que s'entraîner en piscine, ça serait peut-être bien. Et 3 heures plus tard, ils reviennent sur Terre. Donc le programme Apollo, donc cette fois-ci, il est temps de concrétiser le discours du président Kennedy. Et le problème, c'est que dès le début, ça commence très mal. Alors, Apollo 1, c'était une mission test qui devait tester le module de commande en orbite terrestre, mais avant, on leur a effectué des simulations pour tester le module de commande Apollo, enfin la première version du moins. Et le problème, c'est qu'elle était très mal faite, faite à la va-vite, et ce qui devait arriver arriva, vu qu'à l'époque, les Américains équipaient leur capsule d'un air à plus d'un bar, qui n'était composé que d'oxygène pur, c'était très inflammable, et du coup, il y a eu une étincelle sous le siège de Gus Grissom avec un fil dénudé, et en 30 secondes, la capsule a pris feu et les astronautes ont péri brûlés. L'équipe de secours a mis plus de 4 minutes à aller les récupérer, ils étaient déjà morts, hein, et regardez l'état de leur combinaison, il n'y avait plus aucun espoir. Voilà. Alors, normalement, les godillets étaient prévus pour se faire en 30 secondes. Mais c'est pas ouvert en 30 secondes. Donc on a changé les godillets, on a changé l'atmosphère et on a tout changé. Sachant que chez le Russe, il y avait déjà eu un accident du même genre, et évidemment, vu qu'à l'époque c'était très tendu entre les Américains et les Soviétiques ne leur ont pas communiqué cet échec et pourquoi c'était arrivé. Donc ensuite, mission Apollo 7 et 8. Alors Apollo 7, c'était cette fois-ci la même mission qu'Apollo 1, tester le module de commande en orbite terrestre via une fusée Saturne 1B, donc la petite sœur de la grande Saturne 5. Ils ont juste effectué une mission de 11 jours, ça s'est très bien passé. Et puis ensuite, quelques mois plus tard, Apollo 8 décolle, donc en décembre 68, pour tester le module de commande en orbite lunaire. Ces derniers, les astronautes, vont voir pour la première fois de leurs propres yeux la face cachée de la Lune et vont voir aussi le premier lever de Terre qui sera immortalisé par l'astronaute Bill Anders. Et donc cette fois-ci, pour la mission Apollo 9 et 10, il est temps de tester le module lunaire. Donc Apollo 9 va le tester en orbite terrestre en mars 1969,
Ils vont juste se détacher du module de commande, effectuer quelques manœuvres, et puis ensuite vont rejoindre le module de commande et vont rentrer sur Terre. Ensuite, quelques mois plus tard, en mai 1969, Apollo 10 décolle pour tester cette fois-ci le module de commande, le module lunaire en orbite lunaire. Alors, la NASA leur avait expliqué qu'il leur était interdit d'atterrir sur la Lune, mais la NASA pensait que les astronautes allaient malgré tout tenter de se poser si on leur mettait la totalité des réservoirs de carburant dans les étages. Du coup, la NASA a décidé de mettre les deux tiers du réservoir de carburant du module lunaire pour éviter aux astronautes d'atterrir sur la Lune à la place d'Apollo 11. Je vais vous parler donc du matériel. On a déjà parlé le module de commande avec accroché après le module de service et le module de commande, excusez-moi, je me suis trompé. Donc le module de commande, c'est là où les astronautes dorment, vivent, c'est la seule partie qui vient sur Terre, c'est tout petit par rapport à là. On a le cockpit, c'est pas très grand. On voit ici à gauche l'ordinateur dont on parlera après, et les goutilles pour passer dans le LEM. Juste là. Donc, l'ordinateur d'Apollo, le AGC, Apollo Guidance Computer, qui fait donc pour son unité centrale, attention, 65 cm par 32 par 16 avec 32 kg, et donc pour ces deux écrans embarqués, attention, hein, c'est que du noir et vert, hein, c'est 20 par 20 par 17, ça fait 8 kg, et la bête consomme 55 watts. Pour savoir, c'est équivalent à une calculatrice bas de gamme des années 2000. Pour comparaison, les ordinateurs que la NASA, IBM, que la NASA avait, ils faisaient plus d'une tonne et ça prenait une pièce entière. Donc c'est très très comprimé. Même si ce sont des ordinateurs pas du tout puissants, c'est quand même un exploit pour les agents de la NASA d'avoir réussi à mettre des ordinateurs dans le module de commande. Il y avait aussi le même dans le LEM. Sauf qu'il était un peu plus puissant, il y a plus de mémoire, parce que c'est. Il faut un peu plus de mémoire pour attacher les nœuds. Donc ça coûte 3 000 euros aujourd'hui. Il y en a un choix fonctionnel. Il en reste un. Le module donc lunaire, le LEM, Lunar Excursion Module, ou Lunar Module, parce que la NASA s'est rendu compte que excursion, c'était pas bien. C'est pas bien, c'est pas politique. Donc on a enlevé le E. Remarquez que c'est moche. Pourquoi c'est moche? C'est pas aérodynamique, parce que les satellites de la NASA se sont dit, comme il n'y a pas d'air dans l'espace, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Donc c'est moche. Remarquez aussi qu'il y a un côté du module de remontée qui est plus grand, parce qu'il y a un ergol qui est moins dense, donc il prend plus de place. C'est comme ça. Pour le cockpit, il n'y a pas de siège. Il n'y a pas de lit, c'est des hamacs à peu près. Voilà. Les fenêtres, elles sont réglées au minimum parce que ça ne prend pas les fenêtres. Et on ne le voit pas bien, mais il y a une énorme excroissance, c'est le capot du moteur. Donc voilà la fusée qui emmène les astronautes sur la Lune, la Saturn V, qui coûte 2,61 milliards d'euros aujourd'hui, ça coûte cher. Ça fait 100 mètres de hauteur, 10 mètres au maximum, tout en bas. Il y a 3 étages, vous ne réalisez pas beaucoup 3 étages, parce que quand on va entamer la N1, il y en a beaucoup plus. Elle pèse environ 3000 tonnes, et donc elle a une poussée de décalage de 3400 tonnes. Donc les astronautes sont tout en haut, avec leur tour de sauvetage, on ne sait jamais si ça pète, sachant que la Saturne V, si ça pète, ça fait une mini explosion nucléaire. Bah, c'est l'équivalent. Donc, on ne sait jamais. Ouais, quand même à préciser que cette tour de sauvetage est plus puissante que la fusée Redstone d'Alan Shepard dont on a parlé tout à l'heure. Et donc quand même, la Saturn V emporte 140 tonnes de charge utile en orbite terrestre et 47 en orbite lunaire. Alors, le premier étage, le S1C, équipé donc de 6-5 moteurs F1, moteur gigantesque,
Et ce n'est pas les plus puissants. C'est les plus puissants moteurs à ergol liquide à une seule tuyère. Parce que les Russes, avec leur RD-70, ils ont un moteur plus puissant, mais c'est des tricheurs, puisqu'ils ont plusieurs tuyères. Donc ça ne compte pas. Il emmène les astronautes à 177 km d'altitude. Il est allumé pendant 150 secondes. C'est tout. Il fonctionne au kérosène. Hein. Kérosène spécial, le RP1, qui se rapproche plus du diesel. Voilà, donc à quelques impuretés près, la fusée qui a emmené les hommes sur la Lune est propulsée avec des moteurs diesel. C'est pas bien ça, truc. D'ailleurs, tellement qu'il est puissant que ce moteur, lorsque les deux ergols se rencontrent et qu'on met leur feu, on est obligé de les faire rebondir sur la paroi du moteur parce que, déjà qu'il est développé dans un acier trempé et très solide, car sinon ça attaquerait l'acier direct et on mettrait le moteur en route quelques secondes et il exploserait. Après, on a le deuxième étage. Équipé de ces quatre moteurs, mais c'est pas des moteurs c'est le moteur J2, moteur propre, parce que c'est de l'oxygène et l'hydrogène liquide, et H2 plus O2, ça fait l'eau, c'est magnifique. Il emmène les astronautes à 185 km d'altitude, à la vitesse de 24 600 km par heure. Il fonctionne 357 secondes. Le moteur J2 peut être réallumé, contrairement au moteur du premier étage, parce que sur le troisième étage, on verra, il va se réallumer. C'est plus pratique. Le troisième étage, le SKB, avec son moteur J2, et il emmène donc des astronautes vers la Lune. Et à partir d'Apollo 13, on va l'envoyer sur la Lune, parce que pour réduire les débris, pour tester aussi les sismomètres à peu près des missions, sauf que Apollo 12, il y avait un problème. Il n'a pas été comme il faut. Il est parti autour du Soleil et il y a 10 ans à peu près, on a découvert quelque chose. Quand on a fait des analyses, on s'est dit, c'est un escalier d'Apollo 12. Du coup, il revient. Voilà, il revient tous les 30 ans vers la Terre. Donc, Apollo 11, à bord de sa Saturn V, décolle le 7 juillet 1969, à 9h32, heure de Houston. Il y a beaucoup de monde, je ne sais pas si vous rappelez des photos où il y a énormément d'Américains, on estime à plus d'un million de personnes qui assistent au plus grand lancement social du 20e siècle. Tout se passe bien et il école succès plein de fêtes. Tu n'as pas de tir 39A qui se situe ici en Floride. Qui est toujours utilisé parce qu'il n'y a que deux pas de tir. En fait, il y en a 39A, 39B, 39C, ça fait 50 ans qu'il est en construction. Donc, voilà. Donc le déroulement de la mission, la descente puis l'alunissage, donc après 3 jours de voyage, Apollo 11, enfin le module de commande d'Apollo 11 qui s'appelle Columbia, se détache du module lunaire Eagle. Et Eagle entame alors sa descente vers la Lune. Alors il n'utilise plus son moteur que vous voyez en dessous ici. Alors tout se passe bien sauf à un certain moment vers 7 km d'altitude où l'ordinateur de bord exprime 3 alarmes, donc 2 alarmes 1202 et 2 alarmes 1201. Alors dans le centre de contrôle, personne ne sait ce que c'est, sauf quelqu'un qui se rappelle, ah oui, c'est juste l'ordinateur qui montre que le LEM est surchargé d'informations de manœuvre. Du coup, les astronautes, du temps qu'ils cogitent pour savoir ce que c'est, ont perdu quelques minutes, et du coup, ça a fait dériver le LEM de 7 km, mais finalement, il s'est très bien posé dans la mer de la tranquillité à 15h17 heure des USA. Voilà. En France, on se rend compte qu'en fait, c'est le radar qui était censé être en veille, mais il y avait quand même des informations. Donc, l'ordinateur d'Apollo était débordé. Alors, donc, on va vous montrer une animation. Non, ça marche pas. Donc, ça marche. Ça marche pas. Attention, mon programme. Non, on va le faire à la main. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ah, vas-y, tiens, je vois.
Donc là, c'est un peu une petite présentation de la Saturne V, d'Apollo et de comment se passe tout le vol. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Et ensuite, le module Apollo, donc, comme vous l'avez expliqué. Ici, vous avez le module lunaire. Le module de service qui contient le moteur qui permet de renvoyer le module de commande en orbite terrestre et puis le module de commande dont on vient qu'on vous a montré. Et à nos otages. Voilà, voilà, si ça va être... voilà comment ça devrait se passer en théorie. Donc voilà le décollage, le premier étage brûle, on le largue, ensuite on largue la jonction, on allume le second étage qui emmène tout ça vers 185 km d'altitude, on se débarrasse de la tour de sauvetage, c'est un poids inutile maintenant, on largue le second étage, ensuite on allume le troisième une première fois, on effectue une orbite, et puis ensuite on rallume le troisième étage pour l'injection translunaire. Voilà. Magnifique image. Et donc après, voilà, on a la célèbre manœuvre, le module de commande service va se détacher pour se retourner et aller chercher l'EM qui se détache, il se retourne, il va chercher l'EM et il extrait l'EM du détache et après on est parti pour environ 2h30 de trajet. Voilà, et le troisième étage utilise ses dernières réserves d'oxygène et d'hydrogène liquide pour l'emmener sur une trajectoire plus sécurisée et à partir d'Apollo 13 vers la Lune. Voilà. Donc voilà. Là, on arrive vers la Lune. Premier coup de moteur, on s'injecte en orbite lunaire. Ensuite, on largue le LEM allume son moteur et commence à descendre. Pendant ce temps, le troisième astronaute reste dans le module de commande. Et du coup, ben, vous voyez là, la séparation lors d'Apollo 11, et le LEM ensuite allume son moteur et se pose sur la Lune. Après, on fait chose habituelle, on prend des drapeaux. On fait un discours de président Reagan, et puis c'est bon. On repart, c'est fait. Voilà, ensuite on repart, après tout ce joyeux séjour, on fait la jonction avec le module de commande. Ensuite, les astronautes retournent dans le module commande, on largue le module lunaire qui va s'écraser sur la Lune, et puis avec le moteur du module de commande, on retourne sur Terre. Voilà, donc l'injection trans-terrienne. Ça joue encore deux, peu près 2h30. Et après, on largue le module de service et on rentre sur Terre. Et tout va bien. Et on est content. Présentation de l'équipage d'Apollo 11. Donc celui qu'on connaît plus, Neil Armstrong, qui était un pilote civil d'avion espion, les X-15. Ensuite, on a Buzz Aldrin et Michael Collins, qui étaient des pilotes de l'Air Force. Voilà, donc le déroulement quand même de la sortie extravéhiculaire d'Apollo 11. Donc la célèbre phrase, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ensuite, Buzz le rejoint, on plante le drapeau, on fait le salut militaire américain, le président Reagan va avoir un coup de fil avec les astronautes en direct depuis la Lune. Aussi, on pose des instruments scientifiques, dont un sismomètre que vous voyez ici, et un cathodiode. Alors ce cathodiode, ça sert à renvoyer la lumière depuis la Terre pour savoir la distance Terre-Lune. Et ce cathodiode, il est français. Et si vous savez, la photo en haut au milieu, c'est les déchets. Parce que la première fois qu'on arrive, on jette des déchets par terre parce que c'est lourd. Et quand ça sert à rien, on peut les jeter. Voilà, donc le retour sur Terre, le LEM remonte de la surface, il fait son rendez-vous avec le module de commande, on largue le LEM, on retourne sur Terre, et durant le trajet Lune-Terre, le troisième astronaute pour cette mission, Michael Collins,
effectue une sortie extravéhiculaire pour récupérer les cassettes vidéo qui sont à l'arrière du module de service. Et puis ensuite, donc on largue le module de service, on rentre sur Terre et puis on amérite dans le Pacifique. Alors, pour la rentrée dans l'atmosphère, tellement que la vitesse est importante, on rebondit sur l'atmosphère, puis ensuite on rentre une dernière fois parce que la vitesse engrange de la chaleur et si on y allait d'un coup, eh ben, le vaisseau prendrait feu. Alors, pour votre information, vous voyez qu'il manque un capot. Parce qu'en gros, quand on sépare la dernière fois, avant de rentrer, on éjecte ce capot qui laisse les parachutes. Et vous voyez aussi cette rougie parce que ça crame, ça chauffe beaucoup, beaucoup. Voilà, donc là que sur Terre. Alors, tout de suite après la récupération par l'USS Hornet, on les met dans une caravane Airstream en quarantaine pendant 21 jours. Parce qu'à l'époque, on croyait qu'on pouvait ramener une éventuelle contamination du sol lunaire. À partir d'Apollo 13, on a jugé inutile cette pratique, vu qu'il n'y avait aucun agent bactériologique sur la Lune. Donc après, une fois sorti de cette quarantaine, il y a des parades de célébration à New York et partout dans les États-Unis. Ça fait la une des journaux et Apollo 11 parmi les scientifiques des échantillons de la régolithe lunaire. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'ils atterrissent, on les met dans cette combinaison avec un masque, on les désinfecte et après on va couler le canot sur lequel étaient les astronautes, on ne sait jamais. Après, il reste pas 21 jours dans la caravane, hein. Il reste le temps donc au porte-avions d'arriver à son port, on met la caravane dans un avion et après on l'amène à Houston où ils vont être dans un endroit un peu plus grand. Donc ensuite on passe à la mission suivante. Apollo 12, mission moins connue, mais il y a beaucoup de choses. Victor Rahn, Richard Gordon et Alan Bean. Il y a beaucoup de choses qui sont passées sur cette mission. Déjà, on lance un jour d'orage. Et malheureusement, quand il y a un gros truc dans un orage, ça se prend la foudre. Et la fusée se prend la foudre deux fois. Et ce qui se passe arriva, ça disjoncte. Et c'est la panique. Et il y a quelqu'un au fond de la salle qui dit, moi je le sais, il faut mettre CSA on auxiliary. Et donc personne ne sait, sauf Alan Bean. Il a vu sur mon bouton et tout se passe bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénat, après Apollo 11, s'est très fâché parce qu'ils ont payé beaucoup Apollo 11. Et il y a des images, l'image à la télé, c'est pas très bonne qualité. Donc ils ont voulu avoir des belles images parce qu'ils ont payé des milliards et il faut avoir des belles images de cela. Donc on a mis une caméra couleur. Vous voyez ici sur le torse. Parce que la bine, elle pointe vers le soleil. Donc, et complètement, ça grille. Ça crame. Aussi, on se pose à 300 mètres, 150 mètres de la sonde Surveillance 3 où on ramène des pièces dans la caméra. Et on se rend compte que des bactéries terriennes sont aussi endormies sur la caméra, mais elles ne sont pas développées. Et aussi, on se rend compte qu'il n'y a pas de bactéries sur la Lune. Voilà, ou aussi, par exemple, les astronautes avaient à leur poignet ici des petites checklists pour vérifier les expériences qu'ils avaient sur la Lune. Et bien, les ingénieurs ont glissé en soum-soum des photos du magazine Playboy. Et aussi, un artiste s'est dit, je vais faire le premier menu lunaire. Donc, il a demandé à 6 artistes de faire des dessins, comme par exemple un pénis, un point, un trait, une fleur. Il a mis ça sur un bout du module lunaire, il a négocié avec un astronaute. Et après, il a dit, moi, j'ai fait le premier menu lunaire. Voilà, aussi, par exemple, Alan Bean, le même qui pointe sa caméra vers le soleil, a oublié la moitié des photos sur la Lune. Et puis aussi, il avait dit ça, un retardateur sur une des caméras du LEM pour que Pete Conrad et lui puissent prendre une photo à deux. Et vu que tout le monde savait que les astronautes avaient seulement un appareil photo sur le torse, c'était pour faire un clin d'œil au conspirationniste qui existait déjà à l'époque. Qui dirait que c'est faux, ils ont passé la Lune. Voilà. Et puis bien sûr, la mission se termine en beauté parce que Alan Bean a posé son appareil photo dans le module de commande au-dessus de lui, mais il l'a mal sanglé. Du coup, au moment de l'atterrissage, le choc a délogé l'appareil photo et Alan Bean se l'est pris sur la figure, il est tombé dans les pommes et on a été obligé de lui faire 6 points de suture. Cool, c'est bien.
C'est, en plus, c'était son premier vol. Voilà. Donc Apollo 13, celle-là on la connaît plus grâce au film d'Hollywood. Donc cette mission est composée de Jim Lovell, de Jack Swigert et de Fred Hayes. Alors Jack Swigert, lui, a été changé au tout dernier moment parce que Ken MacKinley, celui qui devait voler sur Apollo 13, on lui a diagnostiqué la rougeole quelques jours avant le départ. Du coup, on l'a changé par son backup de réserve, donc son remplaçant. Le problème, c'est que quelques heures avant le lancement d'Apollo 13, lorsqu'on purge les réservoirs du troisième étage, et ben, du module de service que vous voyez ici, et ben, on se rend compte qu'il y a des problèmes d'étanchéité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce module de service avait été déjà utilisé lors de l'Apollo 10, mais on lui avait diagnostiqué le même problème, du coup on l'avait changé. Il se passe la même chose pendant Apollo 13, la mission décolle, et au bout de 3 jours de voyage, et ben, une explosion du second réservoir d'oxygène liquide provoque donc l'explosion, endommage le second réservoir d'oxygène liquide et les piles à combustible qui fournissent l'eau et l'électricité. Et bien sûr, ils sont à plus de 308 km de la Terre. Donc la situation est critique. Heureusement, si je puis dire, les astronautes sont placés en permanence une orbite de retour libre. C'est-à-dire que si on n'allume pas le moteur, la gravité de la Lune va nous renvoyer vers la Terre automatiquement par effet de catapulte. Du coup, c'est ce qu'on décide de faire. Le problème, c'est que des astronautes doivent quitter le module de commande qui est devenu presque invivable et se réfugier dans le module lunaire, sachant que le module lunaire est prévu pour 2 personnes pendant 2 jours. Et là, ils en ont pour 4 jours à 3 personnes. Du coup, pour économiser l'énergie et le chauffage, ils sont obligés de baisser la température à 5 degrés à bord du LEM et de faire le moins de mouvements possible. Au bout de 4 jours, du coup, ils vont retourner sur Terre, mais chacun vont perdre 15 kilos. Alors, dans le film Hollywood, on les voit qui va trouver la solution pour entrer une boîte, quelque chose de rond, c'est un rectangle dans un truc carré. Mais en fait, c'était déjà prévu avant. Les NASA, ils avaient pensé donc à trouver son secours, et comme l'un des astronautes, l'astronaute avait déjà, Frédéric, je crois, avait déjà fait cette manœuvre de mettre un rond dans un carré, ils ont pu être sauvés, et ils ont pu être sauvés parce qu'en gros, il fallait mettre les filtres du module de commande de service qui sont carrés dans ceux du LEM qui sont ronds. Intelligent. Et là, vous voyez donc une photo du module de service avec l'explosion au moment où les astronautes ont embarqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Fallerberg, un ingénieur de la société qui crée le module lunaire, a envoyé une facture au créateur du module de service en disant « il faut payer ». Sauf que les créateurs du module de service ont dit « on t'a amené quand même 3 modules lunaires, 10, 11 et 12, en orbite lunaire, donc on n'a pas besoin de payer. On ne t'a pas fait payer pour emmener tes modules lunaires, donc vous n'êtes pas payé. Mais c'est pas la règle. Voilà. Donc, hein, Apollo 14, qui décolle le 31 janvier 1971 avec Alan Shepard, qu'on a déjà vu avant, première mission Mercury, et Edgar Michel et Stuart Rosa. Ils atterrissent sur la Lune, ils plantent le drapeau, ils utilisent une boîte pour transporter dans le matériel, et la Shepard fait le premier swing de l'espace en golf en tirant 3 balles de golf. Et ils atterrissent dans l'Atlantique comme tout le monde. Voilà, donc Kitty Hawk, le nom du module de commande, atterrit bien dans l'Atlantique 9 jours plus tard. Donc Apollo 15, la mission qui suit, alors eux c'est une première car pour la première fois on utilise une Jeep lunaire, donc c'est plus facile pour transporter le matériel scientifique et d'explorer la région dans laquelle on a atterri. Du coup, elle est dépliée, elle est à l'intérieur du module de descente du module lunaire. Du coup, ça permet aux astronautes d'aller plus loin et sans se fatiguer parce que dans la dernière mission, lors d'Apollo 14, les astronautes, c'était très difficile pour eux de manier la brouette malgré que on est sur la Lune et qu'il y a 0,6G. Mais avec l'encombrement dû à la combinaison, c'était très compliqué de la tirer. Du coup, on a pensé à la Jeep.
Donc cette mission se passe correctement et les astronautes, en tout cas Dave Scott, le commandant, a effectué l'expérience de Galilée. Donc une plume et du plomb qu'on lâche en même temps et même sur la Lune ça marche, hein, les deux tombent en même temps. Apollo 16, l'avant-dernière mission, Ken Mattingly, John Hughes et Charles Duke vont sur la Lune. Eux aussi, ils ont droit à leur gîte, il faut même un rallye lunaire. Et ils font beaucoup plus d'expériences scientifiques car ces dernières missions sont beaucoup plus centrées sur la science. Comme on a vu que ça marchait, on a réalisé la Lune, on fait des sciences. Et comme ils ont des formations de géologues, on n'amène pas encore les scientifiques bientôt, ils ont donc pu récolter beaucoup plus d'échantillons pour que les scientifiques les analysent. Et la dernière mission, Apollo 17, donc décolle en décembre 72, avec cette fois à bord un scientifique, Jack Schmidt, qui était géologue de métier. Donc ils vont encore bien se poser sur la Lune, et ils vont utiliser pour la dernière fois une Jeep. Et pour Harrison Schmitt, donc le fameux géologue, va essayer de skier sur la Lune. En effet, lors d'une petite descente, il va faire des mouvements comme en ski dans les virages. Bon, il dira par la suite que c'est très difficile de déplacer les hanches. Et donc c'est... Il y a censé avoir maintenant beaucoup plus d'autres missions après, trois missions. Sauf que c'est la première fois que la NASA a pu le budget. On leur a coupé le budget. Et donc les trois autres missions vont être utilisées pour Skylab, la station de Skylab. On parlera pas là, mais il faut le savoir. Voilà, il peut même parler du concepteur Werner von Braun. Alors comme son nom l'indique, c'est un Allemand. Dans les années 30, il fait partie du parti nazi et des SS. À sa décharge, on dira que c'est pour poursuivre ses études, car il profite du réarmement de l'Allemagne pour travailler sur les missiles. Hein, en effet, lui, il n'aime pas les militaires. Mais il profite des avancées des projets militaires pour faire des projets scientifiques. Du coup, il créera les fusées V2, enfin plus des missiles qui bombarderont la France et la Grande-Bretagne. Ensuite, en 1953, après la guerre, les Américains, eux, vont récupérer Von Braun et son équipe lors de l'opération Paperclip. Et ils vont ensuite travailler pour les Américains. Il créera de nombreuses fusées, dont celle que vous voyez ici, Juno 1. Et il créera aussi les moteurs F1 et la Saturn V. Il mourra en 77 d'un cancer du pancréas. Donc, nous allons aller de l'autre côté de l'Atlantique. C'est rapide comme le voyage spatial. Et on va commencer avec les fins soviétiques. Les soviétiques, donc, qui, comme tout le monde le sait, ont lancé le premier satellite spatial, le satellite Sputnik. Normalement, devait être un peu plus complexe. Mais on s'est rendu compte que c'était trop compliqué, ça ne devait pas être dans le temps, qu'on a fait un truc très simple qui fait juste bip-bip. Et donc on l'a envoyé à l'aide d'un missile. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une R-16 Senior K et que toutes les fusées, et même les fusées Soyuz, sont dérivées de cette fusée. Ce qui change, c'est les étages supérieurs. On a rajouté, on les a changés, plus puissant. Voilà. Et donc les soviétiques ont aussi envoyé des chiens, une trentaine de chiens, donc 14 sont morts, encore à cause des parachutes d'atterrissage. Au décollage aussi. Aussi. Laika qui était vouée à mourir, puisque pour donc les 40 ans de la révolution soviétique, voilà, d'octobre, les dirigeants soviétiques se sont dit, mettez-moi une chienne. Si elle meurt, c'est pas grave, le but c'est d'envoyer une chienne. Voilà. Donc, c'est pour ça que sa dernière ration était empoisonnée. Sauf que quand il y a un problème, quand on a détaché le satellite avec la chienne, le système de refroidissement n'est pas mis en route et la chienne est à peu près, on peut dire, morte de chaleur 7 heures après. Voilà, 6 heures après son décollage. Mais quand même, c'est un exploit parce que c'est le premier animal en orbite terrestre. Donc, cette fois-ci, on ne fait pas juste. Un petit vol dans l'espace, on retombe, là c'est vraiment, on fait une orbite, et bon, même si elle meurt 6 heures après son décollage, elle reviendra un an plus tard, où elle se désintégrera au-dessus de la Barbade. Par contre, on est vraiment dans ces Goudriavka, petite frisée en français. Mais Laika, c'est le nom de sa race, parce que de l'autre côté du mur, on ne savait pas comment elle s'appelait, du coup on l'appelait Laika, qui en russe veut dire les petits aboyeurs, car en effet,
Les scientifiques soviétiques récupéraient des chiens dans les rues de Moscou, souvent des chiens abandonnés qui sont déjà très durs parce qu'ils sont habitués au climat russe qui est franchement très rude, et puis aussi la vie de la rue, quoi, qui n'est guère facile. Voilà. Donc, Yuri Gagarin, le premier homme à l'espace, à bord de son vaisseau Vostok 1, qui décolle du cosmodrome de Baïkonour avec CRS Norka à 6h07. Lui, il fait l'orbite, contrairement donc aux Américains qui, eux, passent juste au-dessus de la Terre. Non, lui, il fait clairement le tour de la Terre. Il revient sous son parachute dans les steppes paternes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'Agence internationale de l'espace, il avait... En fait, à l'époque, il n'y avait pas d'agence comme la NASA en Union soviétique, c'était le chef de bureau d'études, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, pour qu'une mission soit réussie, il faut que le cosmonaute atterrisse avec son vaisseau. Mais les Russes ont dit, oui, vous inquiétez pas, il a atterri à côté avec le vaisseau. En fait, non, il a atterri à côté. Mais c'est quand même passé. Voilà, en fait, c'est que par question de temps et de moyens, les Russes, dans le module où était Yuri Gagarin, l'ont équipé d'un séjectable et d'un parachute pour que celui-ci se pose sans se fracasser au sol. Alors, Yuri Gagarin rapportera que ce n'est pas les autorités soviétiques qui vont le récupérer en premier, ce seront une femme et sa fille, des paysannes, qui vont le retrouver près de la ville de Saratov, donc assez loin quand même derrière Moscou. Et lorsque cette femme et sa fille ont vu Yuri Gagarin dans sa tenue orange avec son casque, elles ont commencé à prendre peur, hein, ça se voit pas tous les jours quand même. Et du coup, il leur a dit « Non, non, je suis un citoyen soviétique, je reviens de l'espace, j'ai juste besoin d'un téléphone pour appeler Moscou. » Voilà. Donc là, vous avez le tableau de bord de Vostok qui est très rudimentaire. En effet, tout était contrôlé depuis la Terre. Après, les soviétiques ont envoyé des missions encore, plus de missions Vostok, toujours une seule personne. Vostok 2 avec Germain Titov qui a duré un jour. Vostok 3 avec Andrian Nikolaev. Il a fait 156 orbites, il est revenu 3 jours après. Vostok 4 avec Pavel Popovich qui a fait 48 orbites et il a rencontré aussi Vostok 4. Vostok 3 et Vostok 4 se sont rencontrés au bout d'un moment en orbite. Donc ça a été le premier vol simultané de l'histoire. Après Vostok 5 avec Valery Biovskovsky qui lui a fait un plus long séjour qui est pour l'objectif de voir comment le corps humain réagissait à l'espace, puisqu'on ne savait pas. Vostok 6 avec Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi c'est elle qui a été choisie et pas sa doublure, parce que elle, quand il a dit à quoi ça la vie, à servir l'Union soviétique. Et l'autre a dit est-ce que nous servira la vie. Donc vous voyez, c'est un exemple flagrant de la propagande soviétique de l'époque. Voilà, et ça reste quand même c'était une pilote de chasse, et ça reste encore la femme la plus jeune à être allée dans l'espace. En effet, elle avait tué son vol à seulement 26 ans. Donc Vostok 2, alors c'est la première sortie extravéhiculaire d'un homme dans l'espace. Mais malgré ça, il y a eu énormément de problèmes. Alors déjà, le module test qui devait tester ce module a explosé. Et on apprendra par la suite que les simulations de vol ont été seulement réalisées jusqu'à la séparation des rétrofusées. Donc l'atterrissage, aucune simulation. Du coup, il décolle en mars 1965, le 16 mars précisément. Donc là, vous voyez les deux astronautes, Alexei Leonov et Pavel Belyaev, qui est un ancien club de chasse soviétique. Donc là, vous voyez dans son cockpit. Un jour plus tard, Alexei Leonov effectue sa première sortie extravéhiculaire. Mais là, il y a un problème. Vous voyez sa combinaison Berkut. Alors, il faut savoir que la pression de la combinaison est supérieure à celle qu'il y a dans l'espace. Du coup, sa combinaison commence à se gonfler. Et du coup, il n'arrive plus trop à se bouger. Et sachant qu'il faut rentrer dans ce sas, dans ce Volga, les pieds en avant pour
pour récupérer ensuite l'écoutille, si jamais elle se ferme ou pas automatiquement, et ben c'est très compliqué. Bon, il va y arriver quand même, et tant bien que mal, il va réussir à, parce qu'il a été obligé de rentrer la tête la première dans un sas qui est très petit, hein, il fait à peu près la largeur de la table, avec une combinaison d'astronautes quand même, et vu qu'il n'arrive pas avec la combinaison, il va enlever une valve de cette combinaison qui va faire baisser la température, la pression à 0,3 bar, et il est quand même au bord de l'évanouissement lorsque son collègue réussit à l'extirper du sas. Donc après cette péripétie, il effectue encore quelques orbites pendant plus d'un jour. Le problème, c'est que pendant cet un jour, il y a une fuite d'oxygène. Du coup, les astronautes perdent connaissance. Ensuite, une fois qu'ils l'ont repris, ils ont remarqué que leur trajectoire a dérivé. Et puis ensuite, au sol, on pense qu'ils vont tomber en Chine. Donc à l'époque, ça craint, parce qu'entre l'Union soviétique et la Chine, c'est très tendu. Du coup, finalement, ils vont quand même tomber en Union soviétique, mais en pleine Sibérie, en pleine saison des amours. Hein, ils tomberont quand même à 400 km d'Ekaterinbourg, qui est en plein milieu de l'Oural. Du coup, ils vont devoir attendre 48 heures avant d'être secourus, avec des grosses combinaisons comme ça, pas pratiques pour se bouger, et avec le froid sibérien, c'est encore pire. Et en plus, ils vont avoir besoin, en effet, du pistolet qui est caché à bord, parce que, vu que c'est la saison des amours, hein, les loups et les ours sont très féroces. Voilà, donc, aussi, en parenthèse, le kit de survie du Soyouz, qui n'a pas changé depuis le vol d'Alexei Leonov, donc 5 litres d'eau, de la nourriture en forme de barre, de quoi pêcher, une machette, un fumigène, une boîte de pharmacie extrême qui est, par exemple, contient des produits qui vous font marcher avec les jambes cassées pendant 2 jours, des vêtements chauds, une radio, un téléphone satellite, un miroir pour faire des signaux et un pistolet. Alors, jusqu'en 2006, c'était ce pistolet. Le TP-82, alors il est équipé de 3 canons, dont 2 pour la chevrotine, la chasse, et l'autre pour des balles. Et le manche aussi peut être équipé d'une manchette. Donc c'est en fait un fusil de chasse en pistolet, donc c'est clairement pas une arme pour faire la guerre des étoiles, mais c'est plus pour se défendre contre un ours ou chasser de quoi manger. Et après, donc, il va être remplacé par un simple pistolet automatique. Voilà, quand Thomas Pesquet est parti du Soyouz, il y avait un pistolet à bord, mais il était dans le kit de survie. Alors, les Russes, qu'est-ce qu'ils ont envoyé d'hommes? Ils ont envoyé des sondes. On en connaît beaucoup. On en connaît le plus connu, donc c'est les 3 premières, l'une à 1, l'une à 2, l'une à 3, qui, l'une à 3, a fait les premières photos de la face cachée de la Lune. Ils ont envoyé aussi donc les premiers animaux autour de la Lune, avec un Soyouz modifié, un zond sans le milieu orbital. On a envoyé aussi des rovers, des lunocoles, qui veut dire vadrouilleurs en russe, et ce sont des châssis de chars à la base. Oui, parce qu'Alexander Kemurjan, l'homme qui les a construits, travaillait pour la société Transmash, qui est fabricant de chars lourds à l'époque de l'Union soviétique, et c'est lui-même, Alexander Kemurjan, qui fabriquera les rovers qui permettront de déblayer le toit du réacteur numéro 3 de la centrale de Tchernobyl. Donc on a une neuf, première sonde à faire un atterrissage en douceur. On a déjà fait des atterrissages, mais pas en douceur. Et donc l'une 24, l'une des sondes qui va envoyer des échantillons depuis la Lune. L'une 1, qui est l'une 1 à droite, donc qui est une sonde qui est lancée de la Lune 1959, qui a pour but de se cracher sur la Lune. Sauf qu'elle loupe sa cible d'environ 600 km. Elle finit en orbite solaire. Voilà. Mais quand même, elle a fait quelque chose. Elle libère du gaz sur son passage, ce qui en fait la première comète artificielle. Luna 2, c'est la même chose que Luna 1, sauf qu'elle réussit. Et Luna 3, c'est donc, qu'on a vu en bas, une sonde lancée le 13 septembre 1959, et c'est elle qui va lancer les. Qui va faire les premières photos de la face cachée de la Lune, envoyées par fax, avec des pellicules américaines. Les Russes ont récupéré les pellicules
américaine, deux projets à la cible, un peu bizarre avec des ballons, et il se trouvait qu'elle marchait très bien. Lune 9, la première sonde à faire un atterrissage contrôlé en sens de la Lune. Alors, dans tout le bâti, il y a juste la petite boule en haut qui atterrit sur, qui se déplace. Le reste, c'est juste l'orbiteur. Et quand il déploie ses pales, il fait des photos de la Lune. Et c'est comme ça qu'on se rend compte quand on ne fonce pas trop dans le sol. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dans le sol lunaire. On pensait que c'était ou c'est du sable, ou ça fonctionnait beaucoup, ou c'était de la roche. On ne sait pas trop. Donc, le programme Lunokhod, comme on a déjà dit, les rovers soviétiques qui sont équipés donc de panneaux solaires. On le voit, le chauffage, parce que la nuit lunaire c'est de 14 jours, c'est froid, donc on fait du chauffage au polonium 210, ce qui est un élément radioactif. Voilà. On met aussi différents instruments scientifiques et aussi les caméras qui s'avèrent que sur une code 1, elles sont trop bas. Donc on fonce un peu dans tout ce qui se passe. Sauf que sur une code 2, on les a mis un peu plus haut. D'ailleurs, lors de cette mission, on déposera deux autres catadiodes français qui seront un peu plus précis que celui d'Apollo 11. Et c'est toujours ces catadiodes qu'on utilise pour mesurer la distance Terre-Lune. Alors, Lune 24, qui est le deuxième type des sondes Lune 17, 18, 20 et 23. C'est juste qu'on a. C'est la plus connue en fait. Donc, qui va renvoyer à l'aide, donc, qu'on voit sur la photo en bas à gauche, le petit module en bas, ce parachute qui va renvoyer des échantillons. Et le bas de la sonde va rester quand même sur la Lune, qui elle va prendre des photos, etc. Donc le programme lunaire soviétique, hein, peu de personnes le connaissent, mais on va vous en parler. Donc on commence tout de suite. Donc en 1907, le jeune Sergueï Pavlovitch Korolev naît à Jodmir dans l'actuelle Ukraine, qui à l'époque de l'Empire russe. Donc très vite, il montre un très grand intérêt pour l'aéronautique, donc il va poursuivre ses études dans le domaine. Et en 1929, donc, il obtient son diplôme d'ingénieur à l'Université aéronautique technique d'État de Moscou. Ensuite, il va travailler pour différents bureaux d'études, c'est dirigé par de grands ingénieurs, dont Andrei Tupolev, le seul constructeur d'avions supersoniques, Boris Tchernovsky, et un peu plus tard, par le maréchal Tukhachevsky. Donc ensuite, on passe directement dans les années 30. Donc vous savez qu'à l'époque, c'était dirigé par ce joyeux Joseph Staline. Et à l'époque, il développe une paranoïa. Il croit que la moitié de la population soviétique et de son état-major veut l'assassiner, hein, comme dans la Rome antique. Du coup, il commence à éliminer son état-major, les scientifiques, les artistes, les membres du Politburo et tout ça. Donc il va éliminer le chef du bureau d'études de Korolev, donc Tukhachevsky, un ingénieur qui briguait la place de Tukhachevsky, l'ange Marc, va dénoncer à son tour pour se faire bien voir Valentin Glushko et notre Sergueï Korolev. Du coup, ben, ils sont arrêtés par le NKVD. Bon, l'ange Marc avoue plein de choses sous la torture pour éviter la peine de mort, mais finalement, il va se faire éliminer. Du coup, pour éviter d'être envoyé au goulag, Glushko dénonce à son tour Sergueï. Du coup, tous les deux vont quand même aller au goulag, mais pas dans les mêmes enceintes. C'est-à-dire que Glushko, lui, va aller dans une charashka, c'est une prison pour ingénieurs. Ça fait partie du système des goulags, en fait. C'est juste une prison où on maintient les ingénieurs dans un assez bon état pour qu'ils continuent à travailler pour la mère patrie. Contrairement à Korolev, qui lui va être envoyé dans la Kolyma, le pire complexe de goulag de l'histoire, c'est un ensemble minier dans l'extrême Sibérie. Et au bout d'un moment, lors d'un interrogatoire, il se fait passer à tabac sévèrement et il va se faire briser la mâchoire en deux, enfin en deux, comme vous le voyez sur cette photo. Comme s'il n'avait pas assez perdu dedans, il attrape le scorbut. Alors, au bout de quelques années, sa mère
fait appel à son ancien patron, Andrei Tupolev, pour le faire sortir de là. Alors Tupolev va faire jouer ses relations et en 1944, Korolev va se faire libérer sous l'ordre d'un certain Lavrenti Beria, qui n'est autre que le chef du NKVD soviétique de l'époque, qui a du coup a permis à Korolev de sortir grâce à l'intervention du Tupolev. Mais quand même, on remarquera que son passage par le goulag lui laissera des traces. Donc ensuite, après s'être fait libérer du goulag et de la colima, Korolev étant quand même encore un soi-disant criminel et est envoyé dans une prison pour ingénieurs, donc d'abord celle d'Andrei Tupolev, donc malgré qu'il reste encore prisonnier, sa condition s'améliore vachement. Et un an plus tard, il est muté dans une autre Charajka et son nouveau superviseur n'est autre que Valentin Glushko, l'homme qu'il a dénoncé. Du coup, ils ne s'aiment pas, mais ils se tolèrent. Du coup, à la fin de la guerre, quelques années plus tard, en 1945, on lui intime l'ordre d'aller en Allemagne récupérer les autres scientifiques allemands qui n'ont pas été récupérés par les Américains. Du coup, il va aussi prendre les missiles V2 et il va faire un autre missile copié du V2, le R1. Du coup, il va, suite à 1953, où Staline casse enfin sa pipe, il va être muté dans le bureau d'études N2-88, qui deviendra plus tard le futur RRK Energia. Donc, ensuite, quelques années plus tard, il est muté dans l'OKB-1, et dont il va devenir le chef. Voilà. Donc, à la tête de l'OKB-1, Korolev va créer les missiles donc R1, une variante, le R2, le R3, le R4, le R5 et enfin le R6 et enfin le R7 que vous voyez ici, qui est un missile intercontinental avec une portée de 8000 km qui peut transporter une charge utile d'une demi-tonne, soit une petite bombe nucléaire. Du coup, il va acheter des terrains, si je puis dire, dans le Kazakhstan, pour faire un pas de tir qui deviendra le pas de tir de Baïkonour, d'où il enverra Spoutnik, Laïka, Gagarine, et d'où il fabriquera d'autres lanceurs de la même famille que le R7. Donc, quelques années plus tard, en 1961, Kennedy fait son discours comme quoi il veut aller sur la Lune. Du coup, les différents chefs des bureaux d'études vont proposer des solutions pour contrer les Américains. Donc Sergueï, lui, déjà, la Lune, c'est pas son objectif. Lui, il propose au Politburo de financer son projet TMK. C'est un vaisseau spatial qui était censé faire des vols circumplanétaires autour de Mars et Vénus. Du coup, on devait juste faire des tours de Vénus et de Mars. Et du coup, avec des fusées comme ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de charges utiles. Du coup, sa fusée nain qui doit lancer le vaisseau TMK n'emporte que 75 tonnes de charges utiles. Et aussi, il va proposer une version améliorée de la Semyorka. Contrairement, son opposé, Vladimir Tchelomei, qui est lui chef de l'OKB-52, propose quant à lui le projet UR-500, qui deviendra le futur lanceur Proton. Alors du coup, vu qu'en Union soviétique il y a peu de budget, du coup on donne à Sergueï son financement pour sa version améliorée du Semyorka et de la N1 et à Tchelomei le financement pour son projet UR-500. Voilà, donc Kennedy en 62 et en 61 annonce son ambition d'atteindre la Lune avant 1970. Moscou accepte le défi mais ne s'y intéresse vraiment qu'en 1964. Du coup, Korolev, lui, a déjà les plans de sa N1 qui ressort des cartons. Donc pour aller sur la Lune, il y a trois options. Soit un très gros lanceur, la première option. Alors c'est peu recommandé parce que vu qu'on aurait des réservoirs et des moteurs éteints et vides, on apporterait du poids supplémentaire, ça coûterait super cher. Et surtout, ça demanderait un lanceur très mastoc. La seconde, elle est abandonnée. La seconde option est d'envoyer plusieurs petits modules qu'on les assemble en orbite terrestre, puis ensuite on envoie tout ça vers la Lune. Alors c'est possible, mais s'il y a un des modules qui explose, toute la mission est fichue. Et la dernière option, celle choisie par les deux pays, c'est d'envoyer une seule fusée avec deux modules, dont un continuera à tourner autour de la Lune et l'autre se posera
sur la surface lunaire. Du coup, mais il y a un problème en Union soviétique, c'est que déjà, comme je vous l'ai dit, il y a des rivalités entre ingénieurs. Donc Glushko et Tchelomny se sont alliés pour créer un projet de malade, le UR-700, qui utilise la première option, juste pour que la N1 de Korolev ne décolle pas. Voilà. Et en plus, c'est pas le seul problème, parce que les Soviétiques aussi ne maîtrisent pas la technologie de réservoirs de corps pressurisés. C'est-à-dire que les Américains, eux, ont des réservoirs de corps pressurisés, c'est-à-dire que tous les ergols qu'on met dedans, ils sont pressurisés, du coup on peut mettre plusieurs, et on peut optimiser le lanceur. Et c'est pas le cas des Soviétiques. Il n'y a pas que ça comme problème en plus. Korolev n'aime pas Glushko, il va demander à Nikolai Kuznetsov, qui n'est pas un créateur de moteurs de fusée, qui fait des moteurs d'avion. Mais il fait un peu d'études, il dit, les moteurs de fusée, ça ressemble aux moteurs d'avion. Donc, Kuznetsov donne à Korolev son moteur, le LK-15, qui n'est pas du tout puissant. Donc, Korolev en met 30 sur son premier étage, mais on le verra plus tard, mais ce qu'un moteur LK-15, c'est un moteur à cycle fermé. C'est-à-dire que... on est plus tard, en fait. Alors, en fait, c'est que Korolev a demandé quand même à Glushko de lui faire des moteurs pour sa fusée. Le problème, c'est que Glushko lui dit, d'accord, je te fais des moteurs, alors ils sont propulsés par la diméthylhydrazine et de la cinitrique, c'est hautement toxique, très explosif, ça, c'est très corrosif, mais le rendement est génial. Donc, prends mes moteurs. Alors, du coup, Korolev dit non, parce qu'une réaction comme ça, tellement explosive et toxique, ça, tout le monde serait mort avant de voir le lanceur décoller. Du coup, les hommes se disent mutuellement de s'en aller, hein, pour être poli. Du coup, ils se tournent vers Kuznetsov, qui lui a conçu le premier, le moteur du premier bombardier intercontinental soviétique. Donc, alors, qu'est-ce qu'un moteur à cycle fermé ? Déjà, on commençait par un moteur à cycle ouvert. Ce sont les moteurs américains. C'est-à-dire que pour propulser à très haute vitesse les ergols dans un champ de combustion, on pique un peu les ergols, on les fait brûler, et après, avec les gaz qu'ils produisent, on fait tourner des turbines. Sauf que le problème, c'est que ces gaz qu'on a fait brûler, on les jette à l'extérieur. Mais ça n'a rien. C'est que c'est la perte de poussée. C'est pas très efficace. Donc, Kuznetsov arrive avec un moteur type de cycle fermé. C'est-à-dire que les ergols qu'on fait brûler, on les remet dans un champ de combustion. C'est bien, on a plus de rendement, sauf que si les gaz chauds de la champ de combustion remontent à travers le tuyau, ça pète. Voilà, donc vous voyez, là vous avez les deux ergols qui partent vers la chambre de combustion où ils vont être enflammés, mais pour entraîner donc, ces moteurs, on utilise une turbine qui est ici. Le problème, donc, comme l'a dit Nolan, c'est que ça utilise une partie des ergols et du coup on perd en rendement. Du coup, Kuznetsov propose un projet qui n'a jamais été utilisé, que ce soit chez les Américains ou chez les Soviétiques. Donc, comme il l'a dit, c'est de prendre une partie, hein, c'est pour ça qu'on dit semi-fermé, une partie des ergols qu'on remet directement dans la chambre de combustion, mais c'est très explosif. Et Kuznetsov y arrive parce que il dit les turbines de moteur de fusée ça ressemble à des turbines de moteur d'avion. Donc, on va mettre les mêmes. Et aussi, il crée un double alliage parce que l'oxygène pur à très haute température, ça corrode tout. Donc, il est obligé de développer un nouvel alliage très 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 solide pour éviter que le moteur se désintègre en pleine vue du vol. Voilà. Mais le projet est très fragilisé par contre en 1966 car Korolev meurt. En effet, depuis un bout de temps, il a des problèmes intestinaux, des maux de tête, des pertes de tension, etc. Et lors d'une analyse, on lui découvre un polype sur son plancher pelvien. Du coup, on décide de lui le retirer. Du coup, c'est son ami, le ministre de la Santé en personne de l'Union soviétique, Boris Petrovski, qui va l'opérer. Donc déjà, pour l'endormir, c'est pas joué parce que déjà, il a un coup très court, il a la mâchoire cassée, du coup, on ne peut pas l'entuber. Du coup, on est obligé de lui faire une anesthésie générale. Et en plus, avec des problèmes de cœur, c'est pas très recommandé, mais bon, pas le choix.
Et lorsqu'on lui enlève ce polype, ben, il y a une hémorragie interne qui se déclare et que le Boris Petrovski n'arrive pas à juguler. Du coup, il essaie tant bien que mal de la contrôler. Et lorsqu'on s'aperçoit finalement évidemment, qu'il a un cancer gros comme le poing au niveau aussi de son plancher pelvien, du coup, on décide aussi de lui retirer. Et là, on appelle Alexander Wisniewski, qui est aussi un ami de Korolev, spécialiste des cancers. Il décide de le retirer, mais au bout d'un moment, le cœur de Korolev lâche et du coup, il meurt. Imaginez si le ministre de la Santé vous opérait aujourd'hui. Ce serait rigolo. Donc, comme Korolev meurt, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de NASA en Russie. C'est plein de bourrins d'ingénieurs. Donc, c'est Korolev qui est la NASA. Et la NASA russe. Et donc, c'est son assistant, Vassili Michine, qui prend la suite. Sauf que Vassili Michine, il n'est pas très bon. Voilà, il n'a pas les mêmes entrées au Kremlin que Korolev. Il essaie de garder ses distances avec les politiques. Du coup, il a du mal à s'entendre avec eux. Et puis, généralement, il se fait entre guillemets manger par les autres ingénieurs qui ont des priorités beaucoup plus importantes aux yeux du Politburo que lui. L'AN1 a beaucoup d'étages. Vous voyez, elle est énorme. C'est la plus fusée la plus puissante au monde. Elle dépasse même celle d'Elon Musk, voilà, sa méga fusée. Donc, le premier étage, il est composé de 30 moteurs. Parce que comme c'est des moteurs pas puissants, il faut en mettre plein. Et pour ça, on invente un ordinateur corde dont il n'y a pas de photo. On a essayé de trouver des photos, mais on sait qu'il existe, mais on ne sait pas à quoi ressemble. Et nous verrons plus tard, le cet ordinateur, il n'est pas très doué. Voilà, parce qu'une poussée différentielle, en fait, c'est que le problème aussi de l'Union soviétique, c'est que, contrairement aux Américains, eux, vu qu'ils ont beaucoup d'argent et il y a quand même assez de temps, ils ont réussi à développer un système de cardan sur leur moteur. C'est-à-dire que les moteurs, les tuyères peuvent s'incliner. Si jamais la fusée pense d'un côté, ben, on l'incline de l'autre côté pour la redresser. Et même, on peut la faire pivoter avec une combinaison des 5. Et c'est pas le cas des soviétiques. Et vu qu'avec 30 moteurs, c'est la galère, on opte du coup en Union soviétique pour un système de moteurs et de poussée différentielle. C'est-à-dire que si jamais la fusée penche d'un côté, et ben on pousse les moteurs un peu plus fort de ce côté pour la redresser. Et du coup, pour diriger ces 30 moteurs, donc on développe CORD, qui est un ordinateur soviétique, mais bon, l'informatique soviétique à l'époque c'est encore très sommaire, du coup ils le font à la va-vite, ça va avoir ses importances sur la suite. La devise soviétique, c'est s'il y a un problème, on fait en sorte qu'il n'y a pas de problème, on n'a plus de problème, Donc, au deuxième étage, le bloc B, qui est équipé lui de 8 moteurs. Alors, vous remarquez que ce n'est pas les mêmes noms, mais en fait, c'est les mêmes moteurs. C'est juste que la tuyère est plus grande. Voilà. Le bloc B. Après, on a le bloc V. C'est pas C parce que c'est l'alphabet cyrillique. Donc, c'est comme ça. Et donc, lui, on lui met 4N49. Voilà. Après, on a au-dessus. On met donc la charge de pile. Alors, je vais vous expliquer parce que c'est un peu compliqué. On a le bloc G, lui qui va emmener les cosmonautes vers la Lune. Le bloc D, lui, il va emmener les cosmonautes autour de la Lune. Après, on a au-dessus donc le module lunaire, le LK, avec son étage pour l'emmener, pour le désorbiter et l'emmener entre guillemets sur la Lune. Et un Soyouz modifié. Il n'a pas de cause. Donc ce Soyouz, il n'a pas de panneau solaire, il a des piles à combustible. Et c'est à peu près le même type des Soyouz que Thomas Pesquet a utilisé pour aller sur l'ISS. Voilà. Et juste avec un moteur un peu plus puissant. Voilà, surtout aussi, c'est que déjà il n'emporte que deux cosmonautes. Il a un bouclier thermique plus résistant, hein, comme je vous l'expliquais, en raison de la vitesse qui est engrangée par le vaisseau. Il a un moteur aussi plus puissant. Et il a un port d'amarrage différent de nos Soyouz d'aujourd'hui, mais on expliquera juste après. C'est tout. Et d'ailleurs, LOK, qui en russe veut dire Luni Orbitalik Orab, vaisseau lunaire orbital. Le module lunaire LK, qui ressemble fortement au module lunaire américain, sauf que chez les Russes, on ne peut pas passer du Soyouz au module lunaire. Il faut qu'on sorte dans l'espace et après qu'on entre dans le module lunaire. En combinaison,
en combinaison crèchette. Et le module lunaire, comme on verra après dans une petite vidéo, a qu'un seul moteur. Il n'en a pas deux. Et comme la N1 n'est pas du tout puissante, le cosmonaute peut juste sortir, porter des travaux soviétiques, faire quelques trucs basiques et revenir. Voilà, sachant qu'aussi il devrait y avoir un second N1 qui un second module LK qui devait être posé sur la Lune en cas de problème sur un site qui était défini par les vaisseaux Lunokhod qu'on vous a parlé avant. Est-ce qu'il marche ? Ah, donc, alors, cette animation va vous présenter ce qui serait probablement passé. Puisque comme cette fusée n'a pas décollé, elle a décollé mais elle a explosé en vol. Elle n'a pas été jusqu'à l'orbite terrestre, donc cette animation on va vous présenter qu'est-ce qui se serait passé, théoriquement. Donc là, donc, vous avez le premier étage qui fonctionne, qui actionne une manœuvre de roulis pour se mettre sur la trajectoire pour emmener vers la Lune. Ensuite, vers environ 105 secondes, 109, il va être stoppé, puis largué. Sachant qu'aussi la fusée N1 était munie, comme la Saturne 5, d'une fusée de sauvetage, au cas où... ça pèterait. Voilà. Ça a pété. On actionne le deuxième étage. Là. Ah, donc le bloc B. Qui va emmener les astronautes sur une trajectoire beaucoup plus poussée, mais pas encore en orbite. Ça, c'est le boulot du troisième étage. Oui, il y a tellement que la fusée N1 a peu de capacité de poussée qu'on est obligé de faire énormément d'étages. Il y a un étage voilà. Pour chaque truc. Voilà. On largue la coiffe aussi. Et la tour de sauvetage parce que ça sert à rien. Pareil, ça, c'est un peu inutile après. Même si ça explose à ce moment-là, le Soyouz peut encore se détacher via des systèmes de propulsion additionnels qui sont placés à l'arrière du Soyouz. Donc après, on va avoir la séparation du bloc B pour aller au bloc V. Là, vous avez le bloc G, cette fois-ci, qui emmène les cosmonautes, enfin, qui étaient deux, vers la Lune. Voilà, ils se mettent en orbite. Après, on largue et on passe au bloc D. D, c'est ça. Je me perds un peu. Qui emmène les astronautes en trajectoire, comme sur les Américains, en trajectoire libre autour de la Lune. Voilà, parce qu'en plus, les moteurs soviétiques, qui, contrairement aux Américains, ne pouvaient pas être réutilisés une seconde fois, c'est-à-dire que c'était une propulsion unique. Après, l'étage suivant. Non, c'est le même, c'est encore le bloc D. Qui lui est encore utilisé pour amener le module lunaire soviétique autour de la Lune. Voilà, et à le faire poser qu'à presque environ 15 km d'altitude en largue et le module LK finit avec son unique moteur. Après, donc le cosmonaute qui passe la Lune va rentrer dans le LK et puis donc le LK va à le dire. À l'aide de son étage spécifique. Puisqu'il est tellement puissant qu'il faut un étage pour atterrir. Voilà. Et bon, on a très peu de photos de l'intérieur du module lunaire soviétique. Vous pouvez en retrouver, mais il faut vraiment bien chercher. Et ça ressemble beaucoup à une locomotive. Parce que les deux commandes, les commandes pour pivoter le LK sont comme dans une locomotive, c'est deux grosses barres comme ça, il n'y a aucun hublot. Du coup, au moment où le cosmonaute aurait fini sa mission, ça serait le second cosmonaute qui est à bord du module orbital qui aurait dû se docker avec le module lunaire qui lui n'avait pas cette tâche. Puis après, donc le module lunaire, le LK, a uni. Sachant qu'il fait quand même le un tiers du poids du thème américain. C'est extrêmement léger. C'est vrai. Avec son moteur, il redécolle. Voilà, avec des moteurs RCS pour se propulser en orbite autour de la Lune. Voilà, c'est plus pour modifier la trajectoire, parce que dans l'espace, lorsqu'on donne un mouvement à quelque chose, il faut une poussée à l'inverse du sens de ce mouvement pour le stopper. Du coup, c'est pour ça qu'on utilise des petits moteurs RCS comme il y a dans l'animation.
Puis après, donc, les vaisseaux se rencontrent, se doguent, et le cosmonaute donc, qui était dans le Luca va passer dans le Luca, à travers l'espace. Puisqu'il n'y a pas de, donc, de tuyau entre les deux, c'est juste un port d'amarrage et tout. Voilà, contrairement aux Américains qui avaient juste à ouvrir deux écoutilles pour rejoindre le module lunaire, là c'est vraiment, ça ne permet aucun transport de fluide, que ce soit électricité, ni personne, du coup, c'est avec le module orbital du Soyouz que le cosmonaute aurait dû faire les deux sorties extravéhiculaires. C'est une très compliquée quand même, quand on voit la complexité des sorties extravéhiculaires d'aujourd'hui, alors imaginez lors de la mission. Puis après, donc, comme chez les Américains, le Soyouz va utiliser ses moteurs pour retourner sur Terre. Voilà. Après, c'est aussi le moteur du Soyouz est une variante du moteur de la N1, le NK-15. Pareil, il ne s'utilise qu'une seule fois. Il est utilisé, je crois, pendant 300 secondes. Alors, on dit ça, mais c'est des chiffres pas au pif, mais c'est naturellement passé. Puisqu'on, comme ça s'est jamais passé, c'est donc des simulations et c'est ce qui était prévu par les plans. Voilà, alors le Soyouz, lui, ne se pose pas en Union soviétique pour une fois. En fait, il, comme le Apollo américain, il rebondit une première fois sur l'atmosphère terrestre et ensuite il finit sa descente dans, près de Madagascar où la flotte soviétique avait en permanence 22 navires qui devaient être prévenus avec, je crois, un des portes-avions de classe Kiev pour récupérer les cosmonautes. Les deux cosmonautes. Voilà. La simulation était sur Terre, mais c'est une simulation, bien sûr. Sur la Terre aussi. Donc le premier vol de la N1, alors la première vraie N1, le premier ensemble, il est mis sur son pas de tir en décembre 1968. Deux mois plus tard, en février, donc la première N1 décolle à 12h17. Alors entre l'allumage se passe bien. Mais déjà, entre la troisième et la dixième seconde, un signal erroné envoie une donne à corde qui lui suggère d'arrêter le moteur 12. En réponse, corde éteint le moteur 24 opposé. Bon, ça va, deux moteurs en moins, ça va. Vu la redondance du système de 30 moteurs, on peut se permettre de perdre quelques moteurs. Mais à la 66e seconde, il y a une vibration tellement importante qu'elle dessoude une des vannes d'oxygène dans les canalisations. Du coup, ça provoque une explosion et la N1 est détruite à la 70e seconde de vol. Donc, le second vol de la N1, lui, il a lieu en juillet 1969, donc deux semaines avant le vol d'Apollo 11. Sachant que si ce vol avait été une réussite, les Américains n'étaient pas encore sûrs d'être les premiers sur la Lune. Vu qu'il y avait en permanence deux N1 prêtes au décollage d'urgence si jamais le test fonctionnait. Donc cette fois-ci, dès les premières secondes de vol, il apparaît un objet métallique qui est aspiré par une des turbopompes et qui du coup fait exploser un des moteurs. Et du coup l'explosion arrache les tuyères des moteurs 18, 14, 22 et 24. Et quand l'ordinateur déduit qu'il y a des à-coups dans les turbopompes, du coup, il arrête tous les moteurs du premier étage. Même ceux des étages qui ne sont pas encore allumés. Sauf le moteur 18. Parce que pourquoi pas. Du coup, au bout de 15 secondes, la N1 plane avec un seul moteur allumé et elle tombe comme une bombe sur son pas de tir qui le ravage totalement. Les deux installations de tir de N1 sont soufflées, les Russes sont hors course et en plus de devoir reconstruire leur pas de tir, les Russes devront voir les Américains les battre quelques semaines plus tard. Donc, deux ans plus tard, après avoir construit leur pas de tir, les Soviétiques vont essayer de lancer la troisième N1 avec cette fois-ci un vrai train lunaire, donc avec un vrai Soyouz et un vrai LK qui ont déjà été testés séparément. Du coup, le 26 juin, la fusée décolle. Mais très rapidement, la fusée développe une manœuvre de roulis qui devient de plus en plus incontrôlable. Hein. La vitesse augmente quand même jusqu'à atteindre 200 degrés. Et au bout d'un moment, du coup, vers 107 secondes, la fusée explose suite à une trop forte pression aérodynamique et retombe avec une pluie de désert dans le désert kazakh.
Et le dernier vol de la N1, donc c'était en 1972, le 23 novembre précisément. Donc là aussi, il emporte un vrai train lunaire LOK et LK. Tout fonctionne sans problème jusqu'à 90 secondes. Et là, il y a un des moteurs centraux qui s'éteint, une rupture d'organisation, et puis la fusée explose à quand même 3 secondes de la séparation prévue du premier étage. Donc la cinquième N1 que vous voyez ici, là derrière c'est le modèle d'entraînement pour les cosmonautes, était prévu pour décoller l'année suivante, mais cette fois-ci c'était pas la même N1 que les 4 dernières. Cette fois-ci il y avait de tout nouveaux moteurs, les N43, qui cette fois-ci, contrairement à leurs ancêtres NK15, n'avait pas un moteur à cycle semi-fermé, mais à cycle totalement fermé. C'est-à-dire que là, pareil, vous avez les ergols qui rentrent dans la chambre de combustion, mais la turbine, cette fois-ci, elle ne consomme rien, c'est-à-dire que tous les ergols retournent dans la chambre de combustion. Ça a encore plus rendement ainsi que le risque d'explosion, mais c'est quand même, ça deviendra le moteur avec le meilleur rendement au monde. Mais l'histoire va en décider autrement. Du coup, 72, le Politburo, qui était à l'époque dirigé par Brezhnev, vu le coût du programme spatial soviétique, décide d'arrêter de financer ce programme, fait virer Michine, qui est en plus hospitalisé, et remplace Glushko, encore lui, à sa place. Et une fois que Glushko est à la tête de l'OKB1, il fait virer Michine et demande aux 4 autres lanceurs N1 qui sont prêts à décoller d'être démantelés et ordonne à Nikolaï Kuznetsov de détruire ses moteurs qu'il vient de créer. Par la suite, Glushko fusionnera son OKB, l'OKB 215, me semble-t-il, avec l'OKB de Korolev, et ce deviendra le nouveau FKK Energia, le principal constructeur de matériel pour l'agence russe. Mais Kuznetsov ne va pas écouter cet ordre, au contraire, il va les camoufler en tas de ferraille qui n'a rien à voir et va les acheminer à Samara dans un de ses hangars où il va les stocker pendant 20 ans. Le programme est taillé en pièces et Glushko lui va faire les autres programmes soviétiques qu'on connaît, à savoir les stations Salyut, Mir, jusqu'à sa mort en 1989. Mais début des années 90, il y a un ingénieur de chez Aerojet qui est appelé par un certain Nikolaï Kuznetsov en Russie pour lui demander d'aller voir ses moteurs. Alors cet ingénieur d'Aerojet part en Russie et lorsqu'il entre dans le hangar à Samara de Kuznetsov, il s'en décroche la mâchoire. Devant lui, 60 moteurs NK-33 stockés là depuis 20 ans, tout neufs. Alors, cet ingénieur ne connaît rien de ce qu'ils ont dans le ventre, alors décide d'en acheter un et de l'envoyer à Sacramento, en Californie, pour le tester, voir ce qu'il a dans le ventre. Et lorsqu'il le teste, tous les ingénieurs se prennent une claque, parce que un moteur vieux de 20 ans est en train de bousculer toutes les études qu'est en train de faire Aerojet sur le sujet. C'est quand même le moteur avec le meilleur rendement au monde. Du coup, Aerojet adopte ce moteur, les achète tous, redessine le concept et crée une variante, le AJ-2658 et l'autre AJ-2659, qui équipe l'étage Centaure de la fusée américaine. Alors, Glushko, lui, va avoir vent de cette découverte. Et alors, il va développer une variante du N1, donc le RD-170, le moteur le plus puissant du monde à 4 cuillères. Et ce moteur va équiper la navette Buran et la fusée russe qui est actuellement en développement Angara, qui permettrait à la Russie d'envoyer des cosmonautes vers la Lune d'ici une dizaine d'années, enfin de ce qui est dit. Il y a quand même des restes à Baïkonour de la fusée N1. Bon, après, c'est généralement sur des toits de porcherie et des abris anti-soleil à Baïkonour. Donc, pour conclure, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces missions ont laissé environ 180 tonnes de déchets sur la Lune, entre les missions qui sont crachées, les déchets, les bouts de lèvres qu'on a laissés, les différentes cendres. Après, donc, c'est vrai, cette course à la Lune ne se finit pas. Aujourd'hui, comme on l'a vu dernièrement, on a l'Inde qui envoie ses sondes, la Chine qui envoie ses sondes aussi, pour détrôner les USA, c'est la première nouvelle guerre froide, si on peut dire,
l'Israël et aussi donc d'autres entreprises qui veulent faire pas n'importe quoi, mais mettre de la pluie sur la Lune ou se faire de l'argent en minant les matériaux de la Lune. Voilà, comme SpaceX, Blue Origin. Il y a aussi des Russes qui sont en train de ressortir le programme lunaire soviétique et qui ont étudié la fusée Angara pour transporter le réseau Federatia vers la Lune, et le Soyouz qu'ils utilisent actuellement resterait uniquement pour l'orbite basse. Et c'est, tout ceci est encore en cours de développement. Voilà, on va voir.